Hey, salut à tous, c'est Adran et aujourd'hui on se retrouve dans le bureau de Sarif. Désolé, salut madame, Athènes. Je n'ai pas le temps de vous parler. J'essaie de gérer. Oui, pardon. Pour cet épisode 7, on se retrouve devant Sarif, David. Tenez, c'est pour vous. Un passeport d'entreprise avec vos données biométriques chiffrées. J'ai déclaré un faux plan de vol qui devrait vous permettre d'atteindre l'île d'Ensha sans problème. Vous m'envoyez en Chine ? Et la FEMA ? La FEMA n'a rien à voir dans tout ça, croyez-moi. La piste chinoise est plus intéressante. Comment pouvez-vous dire ça? J'ai vu de mes yeux le type qui a tué Megan évacuer cette base. J'ai même tué un de ses lieutenants dans l'entrepôt souterrain. Je sais ça, Adam. Franck a suivi toute votre intervention. Et je sais donc aussi qu'avant de mourir, cet homme vous a donné une adresse en Chine. Eh oui. C'est là que je vous envoie. Ça n'a aucun sens. Écoutez, Adam. Il y a une raison derrière les attaques contre cette entreprise. Vous pensez que ça a à voir avec le projet Typhoon? Ou un autre projet militaire secret dont je ne vous aurais pas parlé? Ça m'a traversé l'esprit. Eh bien, vous vous trompez. Les travaux que menaient Megan et son équipe avant d'être tués allaient révolutionner la condition humaine. Cette entreprise, Sarif Industries, allait précipiter l'humanité vers une nouvelle phase de son évolution. L'évolution autocontrôlée. Vous imaginez à quel point certains peuvent le craindre? Bien sûr. Et aussi à quel point ça pourrait s'avérer lucratif pour d'autres. Pour moi, l'argent n'a jamais été l'essentiel, Adam. Mais vous avez raison. Il y a des gens pour qui ce n'est pas le cas. Comme ? J'espère bien que c'est ce que vous découvrirez en Chine. Alors en route, Farida prépare l'hélicoptère. Donc voilà, on est parti pour la Chine. Super. J'ai combien de dynamisation dispo? J'en ai deux. Adam Jensen. Donc on va rejoindre Farida. Je ne peux pas accompagner Monsieur Taga. Salut Jensen, le patron m'a prévenu de ton arrivée. Ouais. Tu vas adorer Ensha. Tu y es déjà allé? J'y ai vécu. J'y ai passé 3-4 ans à travailler dans les quartiers chics le jour et à m'éclater dans des quartiers moins chics la nuit. T'es prêt à partir? Attends. Pas encore. J'ai deux trous. Grouille-toi. Il me tarde de voir si mon chinois n'est pas trop rouillé. Faut que je vérifie si j'ai pas encore des quêtes. Non, c'est bon. Prêt à mettre les caps. On est prêt, go. Oui, je crois. Tu parles du vol ou de tes folles nuits en Chine? T'inquiète pas, on y sera en moins de deux. Monte. C'est parti, direction Ensha. Deus Ex Human Revolution. Les cliniques en pipe. D'ailleurs, faut voir, j'ai squatté celle de Ensha pour voir s'ils ont des augmentations. Enfin, des guides de dynamisation plutôt. Pour employer le terme exact. Merde, j'ai pas prévu d'eau cette fois-ci. Jensen, si tu veux jeter un coup d'œil, on approche du joyau du Yangtze. C'est une blague. Et comment je fais pour enquêter dans ce truc? Eh, hey, la plus forte densité de petites louches. Accroche-toi, on atterrit. C'est sûr que ça va être folklorique, hein. L'adresse que t'as refilé ce mercenaire, Ensha Court Gardens. C'est pas la porte à côté, c'est dans le quartier du Zhao. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas te déposer trop près. Au cas où Barrett m'ait donné l'adresse en pensant m'attirer dans un piège. C'est le genre de choses que je ferai à un ennemi. Tu veux un conseil? Trouve qui habite là et reviens. Et voilà, on est arrivé en Chine.
Par contre, j'ai l'impression que le jeu en chie. Le jeu en chie quand on fait de la capture et pas de la cinématique. Oui, salut. Est-ce que vous savez comment aller au Hongrois. Hongrois Hotel. Monsieur cherche un peu de distraction? C'est dans le quartier de Kuegan. Je me perds dans ce dédale. Chaque fois que je descends de la ville. Bon, les rues sont bien indiquées, mais les noms chinois et moi, ça fait deux. Bah ouais. Hôtel Hongrois. On va aller faire une quête. Hey, qu'est-ce que tu cherches, Lawaï? Des armes? Du matériel opérateur? Non, merde, c'est pas là que je voulais aller. Y'a pas une clinique en PIB? Aussi le Hive, parce que là je sais qu'il y a une quête, je sais que dans le Hive aussi, mais le Hive on y passera, alors que l'hôtel Hongrois je suis pas sûr qu'on y arrive. Enfin on verra, hein, de toute façon on va y passer un petit moment en Chine, donc puis on y retournera aussi, donc de toute façon. Alors est-ce qu'elle est à la clinique en Plib? Appartement, station de métro. J'ai aucune information sur où est la clinique en Plib. Ah, Limb. C'est pareil. Je crois qu'avoir choisi de sous-traiter le maintien de l'or à Bell Tower est une chance pour Shanghai. C'est quoi le problème? Bell Tower a bouclé toute la résidence, mais personne ne sait pourquoi. Je suis sûr que c'est pas la clinique. Ils ont parlé de la Seconde Guerre mondiale et du Japon qui faisait. Ouais. J'ai besoin de prendre quelque chose dans mon appartement. Je m'en. Désolé, personne ne passe pour le moment. Va te faire foutre. Bell Tower mène une enquête dans ce bâtiment, monsieur. On ne laisse personne entrer. Oui, mais je m'en bats les couilles, je veux continuer, moi. Malik, tu devais avoir raison au sujet du piège. Toute la zone de Hengsha Court Garden s'est bouclée par Bell Tower Associates. Bell Tower? C'est eux la police dans la ville basse d'Hengsha, Jensen. Ils sont sous contrat pour le gouvernement chinois. Tu crois que les Chinois... Si je veux le savoir, je dois entrer dans cet appartement. Ouais. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Je voulais savoir si c'était une donneuse de quête ou tout dans le style. Ouais, je sais, je m'éloigne un peu de l'objectif, mais je veux aller à la clinique en Plib. Parce que les augmentations, c'est le bien. Et que plus je serai augmenté, mieux je me porterai. Putain, je crois qu'il était mort là-bas, mais en fait, il doit dormir. Un plibé juste là. Projet auquel je me consacre corps et âme depuis des années. Vous voulez parler du prochain mondial commun qui vise à se. Excusez-moi, monsieur. N'empêche, là, on est à côté du siège de Taiyong Medical et ça aura un lien très important dans la suite de l'aventure. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les mecs étaient armés. Sur leur armure, il est marqué Taiyong. Zone 2, j'ai pas assez. Merde, bon tant pis. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, je suis content, j'ai mon amplification, on peut continuer. Et j'ai pas le chrono, merde. Oh, c'est quoi, je le lance à partir de maintenant. J'espère que ce ne soit pas trop tard. Attendez, je reviens. À la fin du chargement, attendez, je mets le chronomètre.
Voilà. Le millionnaire Hugh Darrow m'a contacté personnellement pour démentir sa participation alléguée à des rencontres secrètes sous l'égide des Nations Unies. Donc on reprend le métro, n'est-ce pas ? Yozo District. Et on va infiltrer cet endroit malfamé, n'est-ce pas ? Cet appartement qui est l'hôte d'un pirate. Donc soit j'entre par les égouts, soit je passe par là, j'allais dire, pff, tant pis, pas d'originalité cette fois-ci, mais l'originalité, hein, des fois, j'en ai pas, hein. Quelqu'un pénètre dans le périmètre, faites une sommation. Il l'ignore, tirez. Il faut pas prendre de risque. Donc je vais essayer de passer par là. Accès autorisé. Oui, il y a un accès par là. Donc on y va. Oh yeah, 4 dynamisations disponibles. Ça c'est bon ça. Oula. Oh putain, j'allais tomber. Et puis j'ai trouvé un nouveau moyen d'y aller, quoi, je crois. Je pense qu'il y a moyen d'entrer par là. Je sais pas où ça va me faire déboucher, mais... En fait, faut qu'il fasse descendre l'ascenseur, et je me sers de lui pour monter là-haut. Moins que... Alors ça... Ça passe. Tu sais, les mecs, il y a un seul. Non, on sait jamais. Infiltration. Qu'est-ce qu'il fout cet ascenseur ? Aucune idée, chef. Eh ben, allez voir. Cet ascenseur doit rester libre en permanence. Nos experts en ont besoin pour arriver ici et déchiffrer ce disque dur au plus vite. Ouais. T'aurais jamais dû écouter ton chef, mec. Ouais, vous pouvez pas plus m'arranger. Il s'arrête pile à l'endroit où ça m'arrange, quoi. Corps caché. Là.
le prochain niveau 4000. Bon, je cache le corps, hein. M'en voulez pas, on sait jamais. Il me semble qu'à un moment ils font une vraie ronde, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à l'ascenseur et tout. Donc je préfère être prudent. Toi t'as une puce de crédit sur toi, et toi t'as quoi? Une autre puce de crédit, nickel. Oh, les deux cumulés ça fait pile 200. C'est merveilleux. Ouais, je suis ouais, j'ai bien fait d'activer ce de prendre ce booster de réflexe. Pardon, excusez-moi pour le rire, c'était complètement pas contrôlé. Donne-moi des balles, ça me permettra de les revendre. Oh, lui, il a mal fini par contre. Lui, je l'ai bugué, lui. Lui, je l'ai bugué, il s'étonnait pas. Il y a un bruit bizarre. Ah ok, lol. Mais sérieux qu'ils ont fait péter le mur alors qu'il suffisait d'appuyer sur ça? Pff. 22 gros débiles. Alors. Accès autorisé. Alors, c'est une étonnante de votre historique. Maître du Rêve, t'es là, réponds, s'il te plaît. Monsieur Van Bruggen, quelle surprise. Pas le temps de bavarder, offre d'emploi toujours valable. Ça dépend, vous avez fait quoi? Harry, ce pourquoi on me paie. Mais cette fois? Mais cette fois, le client n'est pas content. Elle n'est jamais contente. Vous arrangez voyage à HK? Ça prend un peu de temps, d'accord. Qu'est-ce que t'as foutu, Windmile? Jamais vu la reine dragon aussi en rogne. Agent Bell Tower vient te chercher avec des flingues. Un conseil, tire 3. Tire-toi. Transmets à Pritchard, Malik. Le pirate qui nous a attaqué utilise le pseudo Windmill. Son vrai nom est Harry Van Bruggen. Bell Tower a reçu l'ordre de l'arrêter. L'arrêter ou l'éliminer? De toute façon, il a découvert que quelqu'un lui en voulait, et il s'est évanoui dans la nature. Il faut qu'on le trouve. Il y a une boîte de nuit près de là où je t'ai déposé, appelée le Hive, la ruche. Tous les truands du marché noir s'y retrouvent. Si ce Hollandais est en cavale, il y passera forcément. Je vais aller faire connaissance avec le propriétaire.
Voilà. Je vous l'ai dit. On va aller au Hive. Il y a une quête là-bas au Hive en fait, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et juste à côté, il y a une maison de, voilà, de péripatéticienne, une maison close donc. Et en fait, elle a fait son taf. Jensen, hein. J'ai pensé que t'aimerais savoir où tu vas mettre les pieds avant d'arriver au Hive. Le proprio s'appelle Tang Si Hung, Tang étant son nom de famille. On dit qu'il est lié aux triades. Les organisations du crime organisé en Chine. Magnifique. Sans les triades, le tableau n'aurait pas été complet. Ouais, donc voilà, ça on s'en fiche à la limite. Ça on découvrira plus tard qu'il est beaucoup plus important que le simple propriétaire du Hive. Mais ça on le découvrira plus tard. Je ne vous le dis pas, jamais vous n'avez pas suivi la première épisode, la première aventure. Pas très discret, mais on fait. Accès autorisé. Non, il me semble que voilà, là il y a une échelle, il y a un truc en haut. C'est pour ça que je passe par là. Là il y a un truc. Ouh. Normalement. Tadam. Ça c'est fait. Ah mais le Hive est sur cette carte. Non, faut que j'aille au district de Kuangan. Je sais pas comment ça se dit, excusez-moi, mais ça m'y est des. Très impressionnant. Pirater l'autre sous son nez, ça serait peut-être un peu abusé quand même, on va pas déconner. Je veux bien qu'ils s'en battent les couilles, mais quand même. Hein. Faut rester prudent avec les recycleurs. Tant qu'ils sont pas copains avec nous. Même s'ils risquent de pas l'être souvent. Hein. Mais bon, avec un peu de chance, Bell Tower va leur taper dessus, ou être là. Ah ouais, on a besoin de mecs super puissants, genre toi. Le Hangwa qui est juste. Oh, le Hangwa est juste à côté. On va au moins aller chercher la quête. Tu peux pas me faire une petite remise pour une fois? Désolé, je montrerai pas si j'étais toi. Pourquoi? Attends. Non, j'ai oublié mon sac dedans en quittant May. Dites, monsieur. Vous voulez pas entrer, il y a semblant d'être un client. Ah oui, c'est vrai que c'est le quatrième étage. Oh non, j'ai oublié mon sac dedans en quittant May. Je ne me ferai pas poser d'augmenter. May, t'as un client. Au boulot. Excusez-moi, monsieur. Je ne savais pas qu'un client attendait May. Vous n'êtes pas un client? Si. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre façon de bouger, votre démarche. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ma démarche? Vous êtes flic ou soldat, un truc de ce genre-là. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai entendu vous disputer.
C'était à quel sujet? Ils veulent que je me fasse poser des augmentations. Pour le plaisir du client. C'est des malades. Je préfère partir que de me laisser faire. J'ai pas eu l'impression qu'ils vous laissaient vraiment le choix. Non, c'est vrai. Mais bon, j'ai de la chance. Je suis la plus ancienne ici. Ça a des avantages. Mais les nouvelles, elles ont moins de chance. Comment ça? Elles sont forcées de se faire augmenter. C'est très dur. Une des filles qui travaille ici, Ning, elle a disparu depuis plusieurs jours. J'ai peur qu'il l'ait prise pour la faire augmenter de force. Vous avez l'air d'un homme honnête. Je suis désespérée. Vous pouvez m'aider? Je peux vous payer? Vous parlez tout le temps d'eux. C'est qui, eux? Avant, le Hongwa Hotel était indépendant. On avait un accord avec la police qui nous protégeait. Et comme ici, c'était propre et qu'il n'y avait pas de violence, ils nous toléraient. Et puis, ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bell Tower a remplacé la police dans la ville basse. Ils n'ont pas voulu nous aider. Et puis, un gros trafiquant de drogue est arrivé avec ses hommes. Et il s'est installé. Depuis, tout a changé. Et on ne peut rien y faire. Qu'est-ce qui vous fait croire que Ning a été enlevée? Avant, on pouvait refuser de se faire augmenter. Mais de plus en plus de filles ont accepté. Et elles rapportent plus. Alors maintenant, ils nous obligent. Ils n'engagent même plus d'humaines pures, comme moi. Parce que les gens les aiment moins. Et Ning est une humaine pure? Oui. Enfin, j'espère qu'elle est encore. Ils ont commencé à insister pour qu'elle se fasse augmenter. Elle a dit non, même quand ils l'ont frappée. Mais j'ai peur qu'il ait obligé à se faire opérer. Ning n'est pas la première. Et elle ne sera pas la dernière. Mais si. Ok, je vais aider votre amie. Merci. Je savais que je ne me trompais pas sur vous. Monsieur... Jensen. Monsieur Jensen. Dépêchez-vous. Vous devez retrouver Ning avant qu'il ne la camisole. La camisole? Oui, c'est comme ça qu'ils disent. Ils camisolent les filles qui sont augmentées. Ils les tiennent parce qu'elles ont besoin de neuroposine. Je ne sais pas où est Ning exactement. Mais c'est dans le quartier de Daigong. Une adresse plus précise, ça m'aurait aidé. Je vous dis que je ne la connais pas. Mais il y a un videur ici, Chuan Li. Et il travaille pour ces gens. Il va souvent fumer sur le toit. Allez le voir. Vous arriverez peut-être à le convaincre de vous dire où c'est. Autre chose qui pourrait m'être utile? Oui. Les hommes qui tiennent Ning. Ils font sans doute partie d'un gang d'une triade locale, les recycleurs. Si vous les trouvez, ça vous mettra peut-être sur la piste de Ning. Compris. Ok, on va faire la première partie de la quête, on va parler à Chun-Li. Pas Chun-Li, Chun-Li. Stop, je Street Fighter, les gens. Voyons. Je crois pas que... Chan, j'espère pour Ning qui arrive à le voir. Mais Mei est... En parlant de Mei... Dégage, avant que je te dégage moi-même. Je viens pour vous voir. Pourquoi? Ning. Ouvre l'annuaire. C'est pas ça qui manque, les Ning, ici. Vos amis la retiennent prisonnière. Je serai généreux, si vous me dites où. Généreux? Ouais, peut-être. Montre d'abord tes crédits, gros dur. Et puis je verrai si j'ai envie de te le dire. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. Elle vaudra beaucoup plus pour moi, et pour vous, si elle est en bonne santé. Si vous voyez ce que je veux dire. Pigé. T'es un malin en affaires, toi, hein? Ok, je vais te le dire. Il la garde dans une petite ruelle tout près du canal des égouts dans le quartier de Daigong. Mais écoute, je t'ai rien dit, hein? Non, tu ne m'as rien dit, t'inquiète. Tu ne m'as absolument rien dit. Pas vrai, les gens, il n'a rien dit. Il n'a juste pas balancé où est Ning. Alors, si c'est sur ce map, je vais le faire, sinon, si c'est ailleurs. Merde, bon, faut que je sorte de l'hôtel. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est là que t'as mis derrière, il fait BOUM! Allez là. Alors, est-ce que c'est sur cette map? Ouais, c'est sur cette map. Donc, on va y aller, les gens. Désolé. On va retarder un peu la quête principale. Une autre quête au Hive que je compte faire. Non, c'est 3 personnes qui peuvent vous garder.
pas que j'aille par là. Restez dans les zones les plus fréquentées de la ville basse, si possible. S'il n'y a pas moyen de descendre, Icarus, c'est QFD. Hein. On est où? Combien? 4 augmentations. Icarus, plus d'une fois, je me suis dit, putain, si je l'avais, ça aurait été pratique. Et donc, j'hésite à me le prendre, j'avoue. Je crois que c'est pas par là. Attendez, je remonte la carte. Et pourtant, ça m'a l'air. Non, c'est pas. Comment on y va? Ça, ça mène où? Qui mène là? Qui mène? Absolument pas où je veux aller. Oh, en fait, ce serait pas aussi. Ce serait l'autre côté. Là-bas. Il devrait y avoir un escalier aussi, apparemment. Donc on y va. Où est-ce qu'est l'escalier? Là-bas. T'es dans la mauvaise partie de la ville, Hawaï. Dégage. On va y aller plus violemment. Nouveau code pour le GNUF défi 5377. Laissez-moi. T'inquiète. Qui êtes-vous? C'est votre amie May qui m'envoie. Elle m'a dit que vous aviez des ennuis. Vous êtes blessé. May. Oh, merci. Je vais bien. Ils ne m'ont rien fait. Ils n'ont pas eu le temps. Mais si vous n'étiez pas arrivé, comment vous m'avez trouvé? J'ai demandé. Je peux être très convaincant. Il faut que je sorte d'ici. C'est sûr que vous n'êtes pas blessé? Vous pouvez marcher? Oui, merci. Qui que vous soyez, merci beaucoup. Je ne dois pas rester ici. Il faut que je quitte cette ville. Que je parte loin de ce monstre de Chan. Dites à May, dites-lui merci. Pour tout. Je lui dois la vie. Je vous la dois à tous les deux. Merde. Voilà, problème réglé. Donc, on va retourner voir May. Il n'y a pas de passage par là, ça nous aurait été trop facile. Alors...
comprends pas ce que tu dis. Et je m'en fiche à vrai dire, mais ça faut pas le dire. C'est au quatrième. Vous avez trouvé Ning ? Oui. Et elle ne risque rien pour le moment. Elle compte quitter la ville. Elle a toujours été maligne. Je suis contente pour elle. Je l'appellerai pour être sûre qu'elle est en sécurité. Voilà votre récompense. Mais si vous voulez gagner plus, j'ai un autre travail pour vous. Ça dépend de la nature du travail. Vous avez dû entendre parler de celui qui se fait appeler Diamond Chan. Un homme mauvais qui se nourrit de la souffrance et de la misère de cette ville. Si on veut vivre tranquille, par-dessus bord. Il faut qu'il disparaisse. Vous voulez que je tue Chan ? Oui, mais il faut que ça ait l'air d'un accident ou d'un suicide. Il doit bien y avoir un autre moyen de se débarrasser de Chan que le meurtre. C'est vrai. J'ai accès à certains stimulants. Si Chan était arrêté avec ça sur lui, il ne serait plus un problème. Donc je dois dissimuler de la drogue sur lui ? Pas sur lui. Quelque part dans son appartement, ça suffira. Mais il y sera peut-être. Alors, assommez-le, cachez la drogue et revenez ici. J'ai un ami qui travaille dans la police. Je l'appellerai pour qu'il fasse arrêter Chan. Je vais le faire. Bon, je vais vous donner l'adresse de Diamond Chan. C'est sur un des toits voisins. Si vous préférez le faire arrêter, prenez cette drogue. Cachez-la quelque part dans la... Autre chose que je devrais savoir ? Chan devrait être seul. Il est trop arrogant pour avoir des gardes du corps autour de lui. Mais méfiez-vous, même seul, il est dangereux. Compris. Monsieur Jensen, rappelez-vous de ne pas laisser de traces sur Diamond Chan qui fasse penser à un meurtre. S'il y a le moindre doute, ses amis viendront me demander des comptes. Alors pas de seringue de tranquillisant ni de prime. Uniquement au corps à corps. Ça devrait pas être un problème. C'est ça, oui. Bonne chance, monsieur Jensen. Je vous attends ici. Y'a pas de soucis, je vais lui casser la gueule. La question c'est est-ce que... Ouais non mais c'est vrai que je peux pas absolument pas passer par là. C'est... L'étoile là ça serait trop facile. Ah mais il habite dans l'autre quartier, c'est ça ? On va aller au Hive d'abord. De toute façon, je vais me balader dans les quartiers, donc on va... on va faire ça progressivement. Je suis combien de... Selon mon chronomètre. 28 minutes, un peu plus. La mode et le Hive. Le Hive est un club privé, réservé aux membres d'Hawaï. Sans la carte, on n'entre pas. Ça veut dire que je dois payer pour entrer dans ce bouge. On a une réputation. On peut pas laisser entrer n'importe qui. Ouais, seulement n'importe qui a de l'argent. Tu payes pas, t'entres pas. Alors décide-toi. Une autre fois peut-être. Je peux pas lui casser la gueule. Écoutez bien ce qu'il dit. Ne fait jamais pour entrer au Hive. Comment ça se fait, il connaît un divideur ? Mieux que ça. Cet enfoiré connaît une entrée dans la ruelle de derrière. Est-ce qu'il en ferait profiter les copains ? Jamais. Enfoiré. C'est pas grave. Je me gêne, moi, ici. Tu vas voir. Enfin, tu vas voir. Vous allez voir, excusez-moi. Hein. Hop ! Et Kikou ! Et Kikou, la trappe secrète qui mène directement au Hive. Je sors des toilettes pour femmes, mais ça ne le dérange absolument pas, vous êtes d'accord. Pour vous, c'est ça ? Je voudrais voir Tong. Tout le monde veut voir Tong. Allez voir dans le salon VIP à l'étage.
Pour vous, c'est ça? Je reviens. Il me semblait qu'il y avait une quête aussi ici. Alors je vois ce type couché sur le sol dans la ruelle. Il avait été tabassé. Du sang coulait de son épaule. Les recycleurs devaient lui avoir arraché son cyberbras. Ouais, c'est ça, Bell Tower. C'est eux la police dans cette ville. Oh merde, je l'ai plus. Mon carnet électronique. C'est vous le barman? Ouais. On peut dire ça. Bon. Je veux voir le patron. Ah ouais? Ah, ça tombe mal, Guaylo. Monsieur Tang Xihong ne reçoit pas. Ah oui. Écoutez, j'ai pas traversé la moitié du monde pour qu'on me dise non. Alors vous allez être gentil et me dire où il est. Sinon quoi? Vous allez détruire quelques murs avec vos jolies petites augmentations? Le hive, ça veut dire la ruche, vous savez. Et dans une ruche, il y a plein d'abeilles ouvrières prêtes à tout pour se défendre. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Monsieur Tong pourrait faire pour vous? Je cherche quelqu'un. Un expert en cybersécurité du nom d'Harry Van Bruggen. Vous connaissez? Hein, ça me dit rien. Il a fait quoi? Adultère? Escroquerie? Sa mission a mal tourné, et maintenant son employeur est à ses trousses. Mais vous le saviez déjà, parce qu'un homme comme Monsieur Tong n'engage pas des imbéciles. Et tout le monde sait que les fuyards viennent d'abord ici pour obtenir de l'aide. Alors assez joué comme ça, et amenez-moi voir Tong. Vous vous y prenez très mal. Vous me faites perdre mon temps. Van Bruggen, c'est un petit minable. Tong sait qui il est, mais il s'en fiche. Il a des choses plus importantes à voir. Vous espérez me faire croire ça? Les petits minables n'attirent pas autant l'attention. Leurs apparts ne sont pas surveillés par des soldats de Bell Tower. Quelqu'un d'important lui en veut beaucoup. Et Tong ne peut pas faire l'impasse sur ce genre d'événement, dans sa propre ville. Vous êtes pas si stupide, en fait. Ouais. Tong surveille ça comme le lait sur le feu, c'est normal. Il est malin. Ouais. Ça finit de... Van Bruggen n'est pas juste un pirate. Non, non. Il est formé au contre-espionnage. Il dispose de faux passeports, de comptes en banque et de refuges partout dans le monde. Il a déjà quitté cette île, alors je vous garantis que vous n'avez aucune chance de le retrouver. Vous voyez ce garde du corps? Pour bluffer un Guaylo, vous devriez mieux former votre personnel. Rien qu'à le voir, on comprend tout de suite qui vous êtes vraiment, Monsieur Tang. Vous n'avez pas un endroit plus privé? Ou vous préférez que tout le monde entende ce que vous cachez? Bon. D'accord. On va dans mon bureau, en bas, c'est au sous-sol. Où Ned? Les gars vous laisseront passer. Vous avez l'air d'un gros dur. Enfin, n'oubliez pas, il y a plein d'autres gros durs comme vous ici. Et un nouveau succès. Hein. Enfin, succès. C'est pas un succès sur Steam. Vous pouvez respecter mon intimité. Dites-moi pour qui vous travaillez et je verrai si je peux vous dire ce que je sais sur Van Bruggen. Sarif Industries, ça vous dit quelque chose? Sarif Industries? C'est pas l'entreprise américaine qui a fait les gros titres il y a quelque temps? Elle existe encore? Pourquoi cette question? Suffit de regarder les infos. Il y a pas mal de faillites d'entreprises de biotechnologie ces temps-ci. Surtout celles qui fabriquent les augmentations.
Van Bruggen est à Alice Garden Pods. Capsule 301. C'est un 3 à rat, mais des fois c'est pratique. Et laissez-le dans le même état que celui dans lequel vous l'avez trouvé. Ou sinon. À vous de voir. Disons seulement que vos implants iraient très bien à quelqu'un d'autre. 6 points de dynamisation disponibles. Et ça, c'est bon, ça. Putain, je vais pouvoir m'adapter à... Malik, t'avais raison. Ton guet Van Bruggen, il l'a planqué au Alice Garden Pods. C'est bien ce que je pensais. Un pirate qui s'est pénétré à travers les parfums d'entreprise ne peut qu'intéresser les triades. Je suis au Pods, en fait, Jensen. Tu veux que j'intervienne? Non. Ne va pas te mettre en danger. Je serai bientôt là. Hop. Alors, je crois que le Alice Garden Pods, c'est pas du tout par là où on va. Enfin, pas du tout par là où on va. C'est pas du tout par là où est, genre... Merde, comment... Le mec qu'on veut assommer et foutre de la drogue chez lui. Il n'est pas du tout par là. Donc on va aller finir cette quête. On va aller finir la quête. Et ensuite on va s'occuper de Van Bruggen. Et j'ai 6 augmentations. Si jamais moi je suis dans la merde, je peux m'adapter hyper facilement. Ou quoi qu'il y a une augmentation que j'aimerais faire. Celle-là, il faut que je la fasse. Voilà. Celle-là, oh merde, deux, il faut que je la fasse aussi parce que ça me servira plus tard. Et il y en a une qui me facilitera la vie. C'est celle-là, mais c'est la prochaine. Merde. Du coup, j'ai tout claqué. Parce que les UM, c'est chiant. Il y a plusieurs moments dans l'aventure... Je vais avoir des trucs, des champs électriques à traverser, et il faut que je m'en débarrasse quoi. J'ai pas envie de me faire emmerder. Oula, attendez, je me suis perdu où là? Ah oui, je sais. C'est exactement où j'étais tout à l'heure. Tiens, il y a une porte par là qui mène. Ah ouais, ah mais je suis con. Moi qui cherchais la sortie tout à l'heure. N'empêche, ça se claque vite les augmentations, vous avez vu. On veut faire 3 trucs et puis bim, plus d'augmentation. J'ai pas encore acheté le système de camouflage et tout que... J'ai déjà plus grand chose. Tu te balades tout seul dans la ville basse, là. Pourront bien me sauver de vous les mecs tellement vous êtes des manchots. Il me semblait qu'il y avait une des deux portes qui s'ouvrait, qui avait du matos dedans. Il craint aussi, bon, hein. Bah ouais. Ah bah là. Coucou. Le mec, tu sais. Oulala. Accès autorisé. J'espérais qu'il y ait un peu plus quand même. Tant pis. Bon, mais c'est quoi, je vais le mettre sur mon fusil à pompe. Encore.
aller là. Mais merde, comment tu montes à cet étage de... Je me souviens plus comment j'avais fait. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais... Non, ça a ramené à l'endroit où j'étais, là. À l'immeuble où j'étais. C'est là que j'aurais kiffé avoir Icarus, hein. Parce que j'ai failli crever. C'est chiant ça. J'ai tellement d'augmentations que j'ai envie de faire quoi. Mais autant les augmentations de combat je m'en fous, mais Icarus, piratage, discrétion, tout ça, armure dynamique. C'est bon. Non ? Bim. Je suis content. J'aurais pu crever comme une merde, mais j'ai réussi à me rattraper. Tenez, pas sécurité, je re-sauvegarde parce que c'est vraiment un passage chiant, c'est les toits quoi. C'est, tu peux tellement crever comme une bite. C'est impressionnant. Donc je préfère la jouer safe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Comment je me suis retrouvé ici? Vous êtes américain? Allez, quoi? Ayez pitié d'un étranger, d'un gars comme vous. J'ai juste besoin que quelqu'un me dépanne. Lol. Je crois qu'il avait un souci, moi. Non, en fait, il mendie. Ni plus, ni moins. J'aime bien. Le mec il vient de se faire poser de nouvelles augmentations. Ouais, j'en veux d'autres en fait. Normal, t'as vu? Oh là là. Sandising, il dit le nom rageur, tu t'es bien amusé, alors maintenant retourne chez ta foi à leurs amis de pureté absolue. Jace, non, dit-elle, attends, les bras, mais il s'écarta. Tu ne comprends pas, ne m'insulte pas, lâcha-t-il en faisant de grands gestes avec son bras augmenté. Ce n'était qu'un jeu pour toi, hein? Tu voulais faire la rebelle, coucher avec un cavalier juste pour emmerder ta famille. Jace pointa un doigt d'acier vers elle, une lueur brouillante dans ses yeux, Kaidin Zeiss. Va au diable, j'en ai assez de tes mensonges. Sans réfléchir, Meredith lui donna une gifle sur la joue. Tais-toi, dit-elle d'une voix tremblante, ne me repousse pas. Ne fais pas comme si cela ne signifiait rien. Quand il la regarda, la douleur dans ses yeux coupée comme un rasoir futé. C'est... Tu ne peux pas rester ici. Je le dois, dit-elle dans un souffle. Ok. Drama. Non, j'oserais pas le pirater sous leurs yeux quand même. Le mec il m'a quand même regardé, genre...
croyais qu'ils vont rien me dire. Merde, je me suis trompé de touche. Accès autorisé. Ok, je leur rentre toujours sous le nez, ils disent rien. Mais ok, pas de soucis. J'ai vu rater le relais de sécurité, je vais vous foutre toutes les tourelles sur la gueule aussi. Y'a pas de soucis, hein. Putain. Il me semble que je devrais revenir ici pour une quête. Plus tard, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert cette quête sur la version Xbox, c'est qu'à un moment là-bas, y a une quête, je crois. Il faut que je voie un petit... Vous vous êtes occupé de Chan ? Ou j'ai volé un truc, je me souviens plus. J'ai caché la drogue, et je l'ai laissé KO dans son appartement. Votre ami devrait pouvoir le cueillir comme une fleur. Je l'appelle tout de suite. Merci. Content d'avoir pu vous aider. Vous nous avez sauvés, monsieur Jensen. Tout l'argent du monde ne suffirait pas pour vous remercier. Mais voilà déjà la somme que je vous avais promise. J'espère qu'elle vous convient. 2000 crédits. Waouh. Ils sont généreuses, hein. Là, le double sens. Excusez-moi, monsieur. Non, on va Alice Garden Pods. Parce que je vois où c'est. C'est pas par là. Je comprends pas ce que tu dis. Bon, et bien je vous quitte. Je me mets devant la porte, voilà, et je vous quitte. Je vous retrouverai derrière cette porte la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve demain s'il n'y a pas de couilles. Parce qu'on ne sait jamais, ça arrive. Hein. Pour la suite de Deus Ex, saison 2 sur PC avec... une aventure entièrement commentée. Voilà. Ciao les gens.